Bonjour, chers développeurs Windev. Nous allons voir aujourd'hui un petit truc que je trouve drôlement intéressant, c'est le champ tableau de bord tel qu'il est proposé par Windev. Pourquoi je le trouve intéressant? Bah, c'est surtout dans la manière dont il est construit, parce que finalement ça donne des idées pour d'autres choses. Donc on va regarder un petit peu comment il est construit, puis comment on peut l'appliquer dans une application. Donc là, j'ai un petit projet tout bête, hein, une fenêtre, il n'y a rien dedans. Et qu'est-ce que je veux faire? Je veux ajouter un champ tableau de bord. Et donc, je vais le chercher. Donc, il y en a quelques-uns, enfin, il y en a quelques-uns, il y en a deux proposés. Il y a celui-ci et celui-là avec des graphiques. Alors, on va commencer par le plus simple, hein. Enfin, on va faire que celui-là d'ailleurs, l'autre, il est pareil, hein. Donc, je sélectionne mon champ, je le mets ici. Alors, évidemment, ma fenêtre un peu courte là. Hop. Tac. On va l'aligner. Et voilà. Voilà, c'est tout ce que j'ai à faire. Enfin, presque. Donc là, je déroule les fenêtres et regardez ce qui m'a fait. Donc j'ai ajouté un champ. Mais il m'a ajouté ici deux fenêtres internes. Qu'il appelle widget là. Hein, qui sont associées au TDB, donc au tableau de bord. Et en fait, bah, mon tableau de bord, il est rempli avec ces deux widgets différents. Donc là, si je lance la fenêtre, là, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, c'est déjà rempli avec des valeurs. Alors là, on va d'abord regarder le code qu'on a ici, parce qu'il y a du code déjà pré-tapé dans notre champ tableur, enfin tableau de bord, je veux dire. Voilà. Donc il y a tout ça. Qu'est-ce qu'il fait? Alors finalement c'est un remplissage dynamique. Donc là il y a une fonction pour initialiser notre tableau de bord qui s'appelle table TDB menu. Hein. Alors, vous voyez TDB menu là, dans la petite bulle. Voilà, c'est vrai, pourvu là. Donc ça c'est le nom de mon champ tableau de bord. Donc je l'initialise. Donc dans le paramètre je lui donne son nom et je lui demande d'ajouter un widget. Mon widget, je l'ajoute où? Eh bien, dans mon tableau de menu. Lequel que j'ajoute? Alors, vous voyez, j'en ai deux. Le premier, c'est info. Il y en a info encore ici. Et puis, valeur. Et bah, en fait, il va alterner les différents plans. Enfin, les différents plans, les différents widgets. Sauf que vous avez peut-être pas remarqué, là, quand même, qu'il ne m'affiche pas la même chose. Donc là, ces deux-là, c'est celui qui est noté info, là. Et tous les autres, ce sont des widgets avec des valeurs différentes. Et on voit ici que l'icône, il est différent, que la couleur ici, elle n'est pas la même. Pareil pour celui-là. Donc, comment qu'ils ont fait chez Windev? C'est la question qu'on pourrait se poser. Alors, on va prendre la fenêtre interne ici. Quand on double-clique dessus, on pourrait être surpris, il n'y a rien. En fait, il y a des plans. Si vous appuyez sur la touche, touche flèche du haut, flèche du bas, là, à côté de la touche supprime, là, dans le pavé haut, hein, vous avez des plans. Voilà. Vous avez des plans ici. Et donc, comment on alterne les plans? Eh bien, là encore, il y a du code derrière. Un petit clic droit, code. Et donc là, il attend, ben, des choses. Et vous voyez que le premier élément, c'est le plan. Le plan de la fenêtre interne. Et donc, c'est ça qui va vous permettre de déterminer ce qu'il faut. Et puis, donc là, il utilise les indirections pour pouvoir ben, mettre la note, le titre, la valeur à mettre, et puis éventuellement le picto, c'est-à-dire l'image. Donc là, toutes ces choses-là, c'est ce qu'on retrouve ici. Hein. Hop, là, vous avez titre 2. Image picto 2, le lib valeur 2, et puis ici lib note 2. Alors pourquoi 2? Ben parce que là je suis sur plan 2 là. Si je fais le plan suivant, ça va être lib titre 3, image 3, et ainsi de suite. Donc là c'est drôlement astucieux, puis finalement je reconstruis le nom de l'image en question avec le nom du plan. Voilà. Donc j'ai trouvé que c'était quand même drôlement intéressant. Alors après, dans l'utilisation,
Bien là, il suffit de mettre ce qu'on veut. Alors en plus, là, vous voyez que il a. Hop, c'est pas ça que je voulais. Il y a une. Ah ben non, il y a que là. Ben, il est prévu pour plusieurs langues éventuellement. Hein, les petits trucs, je vous montrerai après ce que j'ai fait sur une de mes applications. Donc là. Donc là, dans notre appel, donc on attend le conteneur, le widget qu'on va ajouter. Et ici, c'est le nom du widget en fait que l'on va donner. Donc au premier cadre, par exemple. Le premier cadre, eh bien, il s'appellera date du jour et ainsi de suite. Et donc on a, alors c'est celui-ci qui nous intéresse. Donc là on a le nom du widget qui va être, enfin du carré, hein. Et ici on a le nom du plan, enfin le numéro du plan qu'on veut afficher. Là, toc toc, là ici c'est le numéro 2, numéro 2. Donc celui-là c'est les versions, on s'en fiche un peu. Donc là j'utilise en fait que, j'utilise que deux plans. Hein. Pour qu'il y ait hop, enfin trois plans. Voilà, il y a que trois plans donc. S'il y a le 1, j'ai dû zapper le 1 à un moment donné, là, voilà, il est là. Donc on affiche bien le plan qu'on veut. Et donc tout le reste, bah après c'est à paramétrer selon votre application. Alors justement, je l'ai utilisé moi de cette manière-là. Je vais vous montrer comment je m'y suis pris. Donc c'est une application qui s'appelle Malaga. Donc là, j'ai une fenêtre pareil, hein, standard. Je fais un clic droit dessus. Alors qu'est-ce que je fais? Je commence déjà par créer des variables globales à ma fenêtre qui vont contenir les valeurs que je veux afficher. Donc toutes ces valeurs, ben, je les récupère en fait avec différentes requêtes que j'ai paramétrées. Voilà. Donc là j'ai bien ici tous mes éléments. Alors ensuite, dans l'initialisation, évidemment, il a fallu que je fasse quelques petites modifications. Mon application, je compte la vendre aux Espagnols et à tous ceux qui parlent anglais. Donc, tout ce qui concerne les dates, il a fallu que je fasse une petite modif, par exemple. Ensuite, donc là, il a fallu que je modifie, évidemment, le nom du champ. Là, ici, vous voyez que j'ai les différentes choses. Alors là, ça n'a pas trop d'intérêt puisque c'est le nom du widget. Donc, c'est plus pour le manipuler par la suite, mais on ne le manipule pas. Donc, c'est comme ça. Par contre, là, j'ai rajouté, vous voyez, un plan 4. Parce que moi, j'en avais besoin. Alors, le plan 4, on va plutôt aller le chercher. Valeur. Toc, il est là. Vous voyez, j'ai absolument rien changé par rapport à ce qui était existant. Hein. J'ai rajouté juste un plan 4. Alors évidemment, j'ai pris soin de prendre les mêmes noms, hein, titre 4, image picto 4, etc. Et là, j'ai juste changé la couleur. Voilà. Et le code, là, j'ai rien modifié. Hein. Donc voilà. Alors ensuite, donc là on a toujours le plan, là j'ai le titre qui va s'afficher. Et ici, donc c'est là que je vais mettre ma valeur. Voilà. Donc plutôt que de mettre un chiffre en dur, eh ben, je lui passe une variable qui contient la valeur que je veux afficher. Donc là pareil, il y a les petits libellés que j'ai traduits. Et les images, je vais les changer. J'ai créé les miennes. Alors là, ça n'a pas d'intérêt, me semble-t-il, de les traduire, mais bon, comme tout est traduit, voilà. Je pourrais avoir des pictos spécifiques pour différentes langues, mais bon. Donc voilà ce que j'ai ici. Alors, est-ce que ça fonctionne? Eh bien, on va tout de suite vérifier ça. Je fais un petit log, un petit go. Voilà. Donc là, je n'ai pas de valeur à afficher, mais voilà, on voit bien ce qui se passe ici. Alors, je vais vous montrer un. En réel, alors il me semble que j'ai des valeurs. Hop, oui, c'est ça. Plutôt que je mette l'autre. Voilà, connexion. Donc là, j'ai mon tableau de bord. Hop, et ben, il s'affiche. Voilà, donc là, j'ai qu'un, il n'y a rien de rempli, forcément. Voilà, voilà ce qu'on a.
Alors, qu'est-ce qui se passe aussi si je change de langue? Je prends de l'anglais là, hop, il me réaffiche tout. Voilà. Il me traduit bien ma langue, hein. Toc toc, il me traduit tout ce qu'il voit bien. Bon voilà, un petit truc que j'ai trouvé quand même drôlement intéressant. Alors l'histoire ici, alors pourquoi je trouve ça intéressant en fait? Alors déjà parce que je peux le modifier ici comme je veux. L'autre modèle de comment dire de l'autre modèle de tableau de bord fonctionne pareil, hein. Alors pourquoi j'ai trouvé ça ici intéressant, ces histoires de plans? Parce que je pourrais très bien imaginer avoir le même type de fonctionnement dans un champ en zone répétée, avec une petite liste déroulante ici. Et en fonction de ce que je vais choisir, je vais afficher un plan différent. Et tout ça dans un champ zone répétée en saisie. Voilà. Des choses qui pourraient être faisables. Alors ça, c'est quelque chose que je vais mettre dans mes formations, là, cette histoire de zones répétées, parce qu'il y a des petits détails à savoir quand même. Donc voilà, j'ai trouvé ça vraiment intéressant, je voulais vous le partager, j'espère que vous aussi, vous l'avez trouvé intéressant, ce petit tuto. Et puis, bah, écoutez, avant de quitter, abonnez-vous, cliquez sur la petite clochette, et puis moi je vous dis à bientôt!